Cette femme est vraiment drôle. Je ne peux pas croire qu'elle est fée. Je te jure. Je n'ai jamais vu un film aussi rigolo de toute ma vie. Tu sais, mon mari et moi avions l'habitude de sortir, mais cette fois-ci, c'est différent. C'est une bouffée d'air frais. Je t'ai dit que tu allais t'amuser. Et c'est le cas. Regarde comment tu t'amuses. Merci, Juliette. Merci. De rien. Tu n'as pas idée à quel point je suis heureuse de ne plus pouvoir faire les tâches ménagères. À présent, je peux penser à faire toute autre chose de ma vie. Oui, parlons de Sam. Qu'en est-il de cette fille? Tu as dit qu'elle est du village de ton mari, c'est ça? C'est le cas. Et elle apprend vite. Et aussi très travailleuse. Oh, je ne remercierai jamais ma belle-mère assez. Amen. Amen. Alors, c'est quoi la suite? Qu'as-tu décidé de faire? J'ai pensé à faire plusieurs choses. Mais je n'ai pas encore choisi. D'accord, informe-moi quand tu as pris ta décision. La bonne nouvelle, c'est que l'argent ne sera vraiment pas un problème parce que il y en a assez, donc ça n'affectera vraiment pas ton choix d'affaires. Ouais, ça c'est vrai. Tu sais qu'avec l'argent, on peut tout faire et tout. Ok, alors, quel est le menu? Tony? Waouh! Est-ce vraiment toi? C'est moi. Waouh! Salut. Salut. Regarde-toi, tu es très belle. Merci. Waouh. Madame, dois-je commencer à préparer le dîner maintenant? Madame. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Dois-je commencer à préparer le dîner? Oui, tu peux commencer. D'accord, madame. Excusez-moi. Attends, attends. Qu'est-ce que tu cuisines? Vous m'avez demandé de faire du spaghetti accompagné du plantain, des œufs frits et de la viande. Ok. Vas-y, fais-le, fais-le. D'accord, madame. Excusez-moi. Ah, merci. Juliette, merci. Merci beaucoup d'être venue à temps. Qu'est-ce que je ferais sans toi? De rien. Tu es ma sœur, par conséquent, je peux tout faire pour toi. Ok, le bon côté c'est que on sait déjà ce que nous allons faire. Mais il est très populaire et tu le sais. Et il y a beaucoup d'arnaqueurs. Donc on doit être très prudente et ouvrir les yeux. Tu as raison. Tu as vraiment raison. As-tu pensé à cette autre chose dont je t'ai parlé? Quelle autre chose? Tony? Ah, pourquoi tu t'en vas? Écoute, je ne sais même pas pourquoi tu lui as remis ton numéro. C'était juste pour être gentil et poli. Le fait de le saluer et de sourire avec lui fait déjà de toi une personne polie. C'est ça que tu ne m'aides pas vraiment là. T'aider pour quoi faire? Aux dernières nouvelles, tu es une femme mariée. Et t'ai-je dit que j'avais oublié mon statut de femme mariée? Peut-être que je dois te le rappeler. Kevin, est-il au courant de ça? Attends, tu aimerais que je dise à Kevin que j'ai donné mon numéro à Tony pour qu'il passe à la maison me rendre visite? Tu t'entends parler? Écoute, dès le moment où tu commences à cacher des choses à ton mari, c'est le moment où tu choisis de créer le trouble dans ton foyer. Bye. Juliette! C'est très drôle. Je sais, je sais. Ok. Attention. Bienvenue, monsieur. Attention. Ouais. Ok.
Bien. Excuse-moi. Attends, laisse-moi t'aider. Oh non, laisse. Je vais le faire moi-même. Ok. Attention. Voilà, okay. Très bien. Ton mari a vraiment, je dois dire, bon goût pour tout. Que veux-tu dire? Pour commencer, la maison. Elle est vraiment très belle. Et puis toi, ma belle, tu es le plus beau joyau de tous. Et oui, je dois dire qu'il a vraiment très bon goût et je l'admire pour ça. Allez, tu sais que ce que je dis est vrai. Ouais, j'ai compris, monsieur l'observateur. Ce n'est pas faux. Tu sais, je me demande bien comment tu as fait pour devenir aussi belle en seulement 2 ans. Tony, je t'en prie, assez parlé de moi. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que Monsieur T, le grand homme d'affaires, devient depuis tout ce temps? Oh, allez, ne dis pas ça, je ne suis jamais considéré comme tel. Mais tu l'es? Non, je suis juste un simple mec qui essaye de mener simplement sa vie. Ouais, dis-moi juste ce que tu veux pas me donner ton secret. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Oh que si, il y en a. donne-moi un instant, je vais regarder le repas. Excuse-moi. Oh, merci. Non, à l'angle. Ah. Par ici. Oh, le repas est prêt alors. Allons se régaler. Après toi. Merci. Ouais. Oh, wow. Je suis tellement désolée de t'avoir fait attendre. Tu sais, c'est difficile d'arrêter Kevin quand il commence à parler d'une nouvelle affaire.
Tout va bien? S'il te plaît, assieds-toi. Je dois vraiment te parler. J'espère que tout va bien. J'ai une confession à te faire, si tu le permets. Une confession? Ada, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et même maintenant que tu es mariée, je t'aime toujours autant. De quoi est-ce que tu parles? Ada, je sais que je me suis très mal comporté. Et tu as tous les droits de me détester pour ça. Oui, tu as le droit. Mais je ne peux pas. Il fallait que tu saches ce que je ressens, Ada. Je t'aime. Je t'aime, Ada. Et chaque partie de mon corps et même la moindre te désire. Je n'arrête pas de penser à toi. Tous les soirs, avant de me coucher, je pense à toi et même le matin. À mon réveil, je ne pense qu'à toi, Ada. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de t'oublier, mais je n'y arrive pas. Tu sais, je n'ai jamais été aussi bien avec quelqu'un que je le suis avec toi. Aussi, je me sens renaître quand je suis avec toi. Et je me demandais, et je me demandais si tu peux me donner une chance d'être à tes côtés, même si c'est juste. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me disais que, puisque vous n'avez pas encore d'enfants ensemble, ce serait facile pour nous de recoller les morceaux. Tu sais, peut-être partir loin d'ici et refaire notre vie comme une famille. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai jamais été aussi confuse de toute ma vie. Et dire que je n'ai rien vu venir. Je t'ai prévenue, mais tu ne m'as pas écoutée. Oh, pas maintenant. Et qu'en est-il de Tony? Qu'a-t-il dit quand tu lui as dit non? Il était si triste, j'ai même cru qu'il allait pleurer. Qu'est-ce qu'il espérait que je fasse? Sauter dans ses bras et m'enfuir avec lui? Tu ne peux pas lui en vouloir, tu lui as donné le feu vert. Quand et comment l'ai-je fait? Je ne sais que... Tu l'as fait en l'invitant chez toi sans l'accord de ton mari. Et tu lui as permis de se mettre à nu. Et je comptais le dire à mon mari aujourd'hui. Et ceci s'est produit. Je suis confuse. Si tu veux mon avis, je pense que tu devrais le dire à Kevin. Avoir des secrets l'un pour l'autre détruit le mariage. Et après tout, tu m'as dit que Kevin te raconte pratiquement tout. Je te conseille de tout lui dire. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne peux pas le dire à Kevin. Me parler de quoi? Salut, chérie. On se parle plus tard. Bye. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. J'ai juste eu une journée très chargée. T'es sûre? Mm-hmm. Avec qui tu parlais? Julie t'en parlait des livraisons de la marchandise que j'ai commandée. C'était ça dont tu ne voulais pas me parler? Oui, je ne voulais pas te stresser avec les détails de tout ça. Oh, tu voulais pas me stresser, regarde-toi. Tu sais quoi? Parlons de stress, si tu as beaucoup de boulot. Pourquoi ne pas engager quelqu'un qui sera en charge de toute la logistique, de la marchandise, des services, de la livraison, tout ça?
Je ne veux pas que tu te stresses ou quoi que ce soit. Ok? Bien, il faut que j'aille me rafraîchir. Il est 5h du matin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler, n'est-ce pas? Non, écoute, tu ne peux plus venir chez moi, ok? Je suis une femme mariée, mon ami. Écoute, ça ne va pas. Hé, bébé, qui t'appelle à 7h de la nuit? Non, c'est juste ces gens. Qu'entends-tu par ces gens? Tu sais, des arnaqueurs, tu sais, ils les aiment bien. Je crois que tu devrais... Ne me dis pas qu'ils te rappellent. Ils sont en train de te rappeler. Non, j'ai la solution à ce problème, t'en fais pas. Voilà. Pourquoi est-ce que tu éteins le téléphone? Et si quelqu'un veut te joindre de toute urgence? Eh bien, la seule urgence dont je devrais m'occuper est juste devant moi. Et il se porte super bien. Tu crois? Ok. Parlons d'urgence, j'ai une qui a vraiment besoin d'être traitée immédiatement. Ah. Eh oui. Vraiment? Tu t'occupes de cette urgence immédiatement. Tu sais ce qu'on doit faire? On devrait faire séparer les imprimés des simples. Donc tu prends les simples et moi les imprimés. Ok. C'est une bonne idée et ça nous permettra d'aller plus vite. Oui. Cette matière est très belle. Je suis sûre que tu vendras tout d'ici peu. Tu vendras tout, je suis sûre. Je prie que ce soit le cas. Hein? Ma sœur. Grande chef d'entreprise. Je suis très fière de toi. Tu n'es pas comme ces femmes riches qui passent leur journée à la maison à manger, boire, dormir, prendre du poids et occuper l'espace pour rien. Ah. Oh, Juliette, arrête, ne dis pas ça. Celui-ci, par contre, il est très joli. Bienvenue, monsieur. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici, Tony? Ada, il faut qu'on parle. En fait, tu ne prends même plus mes appels, Ada. Je n'arrive même plus à t'envoyer des messages. Il faut vraiment qu'on parle. Monsieur, de quoi est-ce que tu veux parler? Tu es un homme adulte, va là dehors et cherche-toi une femme. Arrête d'harceler la femme d'autrui, s'il te plaît. Ada, je te promets de ne plus jamais revenir chez toi. D'accord, mais on peut aller ailleurs. Je vous en prie, messieurs, sortez de ma maison, tout de suite. Mon amour... J'ai dit, mets-toi dehors! Dégage! Et si tu essayes encore de t'approcher de cette maison, je m'assurerai de te faire arrêter. Dégage! J'ai dit dehors, mets-toi dehors! Ada, viens, tu n'as pas besoin de te stresser à cause de ce gars. Viens t'asseoir. Peux-tu l'imaginer? Calme-toi. Le culot de venir chez moi sans prévenir. Calme-toi. Et si Kevin était à la maison? Ne me dis pas que tu n'as toujours rien dit à Kevin. Juliette, ce n'est pas le bon moment pour ça. Chérie, je suis de retour. Oh.
Je suis épuisé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Où est ma femme? Elle est sortie, monsieur. Ok. Apporte-moi une bouteille de vodka et un verre. D'accord, monsieur. Laquelle, s'il vous plaît? Celle dans la bouteille bleue. C'est fini, monsieur. Je l'ai servi à monsieur Tony les deux fois où il est venu à la maison. Et c'est qui ce monsieur Tony? En fait, c'est l'ami de madame. Il vient chaque fois que vous êtes au travail. Mais il ne vient plus depuis leur dispute. Depuis leur dispute? Oui, monsieur. Et qui d'autre était là ce jour? Madame Juliette, monsieur. Assieds-toi. D'accord, monsieur. Raconte-moi tout. Jusqu'au moindre détail. Du jour de sa première visite au jour de la dispute. Chérie? 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 Bébé? Bébé, tu vas bien? Il t'est arrivé quelque chose? En plus, tu bois. Mais tu bois? Bébé. Chioma. Chioma. Oui, madame. Chioma. Oui, madame. Désolée. Est-ce que quelqu'un d'autre est entré ici? Non, madame. C'est bon, vas-y. D'accord, madame. Chérie, parle-moi. Était-il vraiment ici? De qui est-ce que tu parles? Était-il vraiment ici? Tu me fais peur, mais de quoi est-ce que tu parles? Bébé. Ton ex. Était-il vraiment ici? Attends. Non. Il était vraiment là? Dans ma maison? Assis sur mon canapé? Mangeant ma nourriture. Buvant dans ma putain de bouteille. Ça fait un mois. Ça fait un mois que tu me caches ça. Tu ne l'as même pas mentionné quand on était dans la chambre. Même pas un mot. Tu as fait attention à ça. Tu as fait attention à lui. Alors tu l'aimes vraiment autant? Quoi? Comment peux-tu me poser cette question? Je ne sais rien! Ah,
quand je pensais te connaître. Chérie, je n'ai rien fait. Je croyais que tu m'aimais. Je m'en souciais, je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Non. L'amour ne blesse pas ainsi. Il ne trahit pas de cette façon. Il ne ment pas du tout. L'amour ne fera pas ce que tu m'as fait. L'amour ne trompe pas. Bébé, je... T'as osé me tromper. Je te jure, je ne t'ai pas trompé. Je ne le ferai jamais, je te le promets. Je te jure, je n'oserai jamais te... Ne me touche pas. Bébé, chérie, je te le promets, j'étais juste gentille. Rien ne s'est passé, je te le jure. Je te le jure. Kevin, je t'en prie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Kevin. Rien ne s'est passé, je t'en prie. Kevin! Kevin! Comment était ta nuit? Bébé. Tu ferais mieux de rester où tu es. Reste dans ton coin. J'aurais dû t'écouter. Je suis la cause de tout ceci. Est-ce aussi grave? C'est pire. Ça devient pire de jour en jour. Il ne me regarde même pas. Il ne peut même plus se tenir près de moi. Juliette. Juliette, je crois que j'ai perdu mon mari. Ça n'arrivera pas, tu ne perdras pas ton mari. Ne dis plus ça. Je sais avec certitude que Kevin t'aime. Tu dois juste le reconquérir. Je pense, c'est tout. Et en plus, il n'y a jamais rien eu entre Tony et toi. En fait, c'est ça. Il ne me croit pas, il ne me croit pas. Il se dit qu'on a... Je savais que cette histoire allait mal finir. Je savais que tout ce qui est en rapport avec ce gars qu'on appelle Tony allait mal se terminer. Et je te l'ai dit, mais tu ne m'as pas écouté. Avez-vous au moins essayé de vous asseoir? Avez-vous au moins essayé de vous asseoir et en parler? Il ne veut plus être dans la même pièce que moi. Si je suis dans la chambre, il va au salon. Et si je suis au salon... Il rentre dans la chambre, il sort, il rentre très tard. Et j'y peux rien parce que tout est de ma faute. Juliette, j'ai peur pour moi. Ma chérie. J'ai vraiment peur pour moi. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Calme-toi, ça va aller, ça va aller. Je crois que tout ira bien. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Ça va aller, ça va aller. Je vais bien. J'ai dit que je vais bien. Kevin,
Nous devons parler. Et je n'accepterai pas un non de ta part. Je n'accepterai pas que tu m'ignores. D'où sors-tu à cette heure? Kevin, il est 1h du matin. Et si quelque chose t'était arrivé? Penses-tu que je survivrais si quelque chose t'était arrivé? Laisse-moi tranquille. Tu sais, pourquoi ne pas me laisser tranquille? En fait, je pense que tu seras mieux sans moi. Ouais, tu serais mieux sans moi. Parce que tu es là pour prendre soin de toi. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Il ne s'est rien passé entre nous. Rien ne s'est passé entre lui et moi. Rien du tout. Tu ne comprends rien. Approche, approche. Viens, approche-toi. Tu n'as rien compris, ma chère femme. Viens. Viens. Laisse-moi te dire. Il ne s'agit pas d'avoir couché avec lui ou d'être avec lui. Je n'ai pas couché avec eux. Chut. C'est le fait que tu es prétendu, que tu aies été fourbe et tu l'as ramené chez nous. Je suis désolée. Tu te souviens quand on s'est fait des promesses? Oui, je m'en souviens. Et l'une d'elles était qu'on ne mentirait jamais à l'autre. Qu'on ne se cacherait rien. Mais tu as brisé notre confiance. Tu as brisé nos liens. Kevin, je suis désolée. Tu as brisé nos liens. Je suis vraiment désolée. Ah. Kevin, thank you.
Adama. 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 Bébé. Monsieur. Bébé. Tu m'as tellement manqué. Tellement. Moi? Approche. Approche. Viens voir ton cher époux. Tu sais... Je t'aime tellement. Ma splendide épouse. Tu me complètes parfaitement. T'es tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai plus envie qu'on se dispute. Qu'est-ce qui... Tu sais... Je n'en ai que faire de tout ce qui a pu se dire dans le passé entre vous deux. Je m'en fous de ça. Je t'aime. Et mon amour pour toi ne changera jamais. Personne ne pourra le changer. Je sais. Je vais devoir me battre pour toi toute ma vie. Oui, il y a des gens là dehors qui se battent tout simplement pour avoir ton attention. Et ils le font à cause de ta beauté. Ton éclat illumine le monde entier. Et je suis prêt à me battre pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Ma ravissante. Et merveilleuse. Adam. L'amour de ma vie. Approche. Approche. Monsieur. Chut. Ne dis rien. Fais l'amour à ton mari. Viens. Fais l'amour à ton chéri. Mon amour. Calvin! Bébé, je t'en prie, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Bébé, je peux t'expliquer, c'est pas ce que tu crois. Laisse-moi. Je t'en prie. Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Chérie. S'il te plaît. Chérie, je suis désolé. Tu as refusé de prendre ton repas et maintenant tu es en train de pleurer. Ça fait déjà 2 semaines, 2 semaines, que tu te prives de tout. Tu refuses de prendre les appels de ton mari, tu refuses de répondre à ses messages, tu refuses quasiment tout, et même de le voir. Et s'il me fait arrêter d'avoir enlevé sa femme, comme il le fait dans les menaces? Il ne le fera pas. Comment tu sais qu'il ne le fera pas? La dernière fois qu'il était là, il était tellement en colère. J'ai même cru qu'il allait me bousculer pour entrer dans la maison par force.
Écoute, tu ne peux juste pas continuer ainsi. Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu dois essayer de rencontrer ton mari pour résoudre ça. Tu dois au moins l'écouter. Il m'a tout expliqué. J'ai essayé de comprendre et je l'ai cru. Oui, je l'ai cru et je pense que tu devrais faire pareil. Essaye de l'écouter. Il n'y a plus rien à expliquer ici. Il a pris sa décision et ses actes l'ont largement prouvé. Ce mariage est terminé. Tu ne peux juste pas prendre des... S'il te plaît, je t'en prie. N'essaye pas de me convaincre. J'irai récupérer mes affaires demain. Non, mais ne t'inquiète pas. Je ne vais pas t'importuner longtemps. Je vais trouver une maison et je partirai bientôt. Oui. Je t'ai dit de me laisser tranquille, Tioma. Si j'ouvre cette porte et que je te trouve là, tu vas pas aimer ce que je vais te faire. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Bébé, s'il te plaît, je t'en prie. Je t'en prie, non, non, non. Vas-tu arrêter? Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Pourquoi agis-tu comme un gosse? Vraiment? Me comporter comme un enfant? Je me comporte comme un gamin, c'est vrai? T'es parti juste comme ça? Tu veux même pas écouter ma version des faits? T'es parti et c'est moi qui se comporte comme un gamin. Pas de jouer la victime ici. Je t'ai supplié jour et nuit. Je t'ai supplié d'écouter ma partie de l'histoire. Tu m'as repoussé. Pourquoi après je te retrouve en train de... Écoute, je suis désolé. D'accord. Moi au moins, je n'ai rien fait avec Tony. Je ris. Je
Je peux voir que ta maîtresse a déjà très bien marqué son territoire. Non. Maintenant la maîtresse de la maison. Je suis désolé, ce qui s'est passé ne devrait pas se passer ainsi, je te le jure. Je sais même pas quoi dire, je... Écoute, je suis désolé. Tu me manques, mon amour, tu me manques. Cette maison... Tu me manques. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie. Je peux pas vivre sans toi. Je pense à toi toutes les secondes. Ce qui s'est produit ne devrait pas arriver. Bébé, tu me manques. Tu me manques tellement, mon corps, tes désirs. Je suis désolé. Moi aussi. Je veux que tu restes. C'est ta maison ici. Notre maison. Notre foyer. Il n'y a pas de foyer sans toi. Je promets de bien faire les choses. Plus de secrets. Plus de Tony. Et plus jamais de Tuma. Elle faisait même pas partie du tableau, celle-là. Je voudrais qu'on soit toujours ici, bébé. Qu'est-ce que j'ai faim? Ah bon? Laisse-moi t'apporter de quoi manger. On les fera plus tard. Restons juste comme ça pour le moment. Ok, mon amour. Tout ce que tu voudras, je suis pas pressé. Honnêtement, il y a des gens qui adorent les problèmes. C'est de leur nature. Elles pouvaient simplement continuer de rouler au lieu de descendre et faire une autre scène. Oh, à vrai dire, tu sais, il y a des gens qui aiment attirer l'attention et ils sont prêts à tout pour l'avoir. Et c'est simplement ce qu'ils voulaient avoir. C'est vrai. Mm-hmm. Mais bébé... J'aurais pas dû commander ces plans emportés. Je suis pleine. Je sais que t'es pleine. Mais je ne voulais pas que tu te lèves de bonne heure pour faire le petit déjeuner. Et donc, tu n'auras qu'à mettre ça dans le micro-ondes. Et voilà, c'est prêt. Je vais t'amener en rond. Bébé! Quoi? Tu m'as manqué. Mais nous sommes ensemble depuis le matin. Eh bah, en théorie, tu t'es enfoui pendant, disons, 3 semaines. Je n'ai pas fait. Vraiment? 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 Mais tu vas devoir avouer, okay, tu vas devoir avouer. D'accord. Tioma, comment tu vas? Alors, je crois qu'il faut que je le fasse maintenant. Oui, je te donnerai de l'argent pour que tu partes. Et oui, ce sera assez pour toi. Tu vas devoir quitter la maison très tôt le matin. Oui, tu
devra rentrer au village. Donc, après m'avoir utilisé, tu veux me jeter comme une ordure, n'est-ce pas? De toute façon, je n'irai nulle part. Malheureusement pour toi, ça n'arrivera pas. Tu devras quitter cette maison demain à la première heure. Sinon, tu vas devoir le regretter. Et qu'est-ce que cela veut dire? Attends, fait-elle la mormire que moi? Non. Ou alors est-elle plus belle que moi? Dis-moi, que fait-elle que moi? Je ne fais pas mieux. Tout ce qu'elle sait faire, c'est rester assise là comme une princesse pendant que je fais tout dans cette maison. Hey, la ferme! La ferme, ok? Je te permets pas de parler de ma femme, spécialement à ma présence, de cette façon! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu la tête? J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu partiras de cette maison demain à la première heure, sinon tu vas regretter ce que je vais te faire. Ça, je te le promets! Eh bien, pour ton information, je ne peux pas retourner chez mes parents parce que je porte ton enfant. Quoi? Que viens-tu juste dire? Oui, tu m'as bien entendu. Ce que tu n'as pas pu faire en 2 bonnes années. Moi, Shioma, je l'ai fait en une seule nuit. J'ai déjà fait le test. Et j'en ai une preuve. Et puis, je n'ai pas eu d'autre amant. Adama, non, non, non. Adama. Qui est-il? J'ai cru que... Tu as cru que j'étais encore partie, c'est ça? Ne t'inquiète pas, je n'irai nulle part. Ici, c'est chez moi. Nous ferons face à toutes ces situations ensemble. Ok. C'est bon. C'est bon. Calme-toi, je t'en prie. C'est bon, ça va aller. Shioma, s'il te plaît, tu vas devoir avorter cet enfant. Mon mari et moi ne pouvons pas être responsables d'un enfant illégitime. Que Dieu m'en préserve. Je ne tuerai jamais mon enfant. Donc, tu voudrais que je tue mon enfant, comme t'as tué tous les tiens dans ton ventre, n'est-ce pas? Comment oses-tu? Shioma. Non, laisse tomber. Tout ce qui m'importe, c'est que cette situation soit réglée. J'ai pris un rendez-vous avec le médecin familial. Il sera là demain. Donc, prépare-toi à le faire. Tu mens. C'est un mensonge.
Je ne tuerai jamais mon enfant. T'es tellement méchante. T'es une sorcière. Oui, c'est ce que t'es. C'en est terminé. Sûrement, tu devrais vraiment le faire. S'il te plaît. Même toi. Pour notre bien, toi, sûrement, tu devrais le faire, s'il te plaît. Oui, papa. Il a fait, maintenant il me demande d'avorter. C'est sa femme qui a tout organisé. Oui, papa. Non, papa. Le médecin doit arriver ici très tôt demain matin. Oui, papa. Papa, j'ai très peur. J'ai peur. Et si on retire mon utérus? Ils veulent ruiner ma vie, papa. Oui, papa. Papa, j'ai très peur. Je sais que le village est très loin, mais tu dois prendre le plus car, papa. Il faut que tu viennes au plus vite, je t'en supplie. Je ne connais pas la paix depuis que je vis dans cette maison. D'accord, papa. D'accord. Je verrai bien qui me mettra hors de cette maison. Où sont-ils? Où est cette méchante femme qui souhaiterait gâcher la vie de ma fille? Où sont-ils? Où est le fils de Okoze qui a été ensorcelé? Venez me trouver ici. Où sont-ils? Papa, calme-toi. Tu sais, mon patron et sa femme doivent déjà être en train de dormir. Vas-tu la fermer? Comment des gens aussi méchants comme ceux-là peuvent dormir pendant qu'ils privent les autres de leur sommeil? Hey, papa, tu es là? Mais qu'est-ce que tu m'as pas dit que ton père venait? Est-elle obligée de me dire que je viens? Je suis bien là. Et je sais que cela ne t'enchante pas. Et je suis là pour anéantir au plan. Oui, tous les deux. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Pouvez-vous au moins se baisser d'antan? Ce n'est pas un village et il se fait charge. Pourquoi dois-je faire? Calme-toi et tais-toi. Je pardonnerai ton ignorance. Toi, Kevin, tu me connais bien. Ta famille et toi savez très bien qui je suis. Et tu sais très bien que je ne rigole pas. Je ne veux voir aucun docteur ici demain. Parce que ma fille n'avortera pas ce bébé que tu as mis dans son ventre. Quoi? Bébé, je t'en prie. Nai, est-ce qu'on peut parler de ça plus tard? Pour le moment, ce dont tu as besoin, c'est de te reposer et te coucher. S'il te plaît, tu dois être fatigué. Aucun médecin ne viendra ici. Aucun. Oneze Kobrea, Okamakeme Kofunania. Écoute-moi très bien, jeune homme. Le respect n'est pas synonyme de peur. D'accord, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'était quoi tout ça? Pourquoi lui dire qu'il devrait aller se reposer? Qu'on en reparlera demain? Qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez toi? Mon amour, je l'ai fait pour toi. C'est pour toi, je sais que tu ne connais pas cet homme. Je sais très bien qui il est. C'est le père de Shioma, pas vrai? Il n'est pas seulement le père de Shioma. Que veux-tu dire par il n'est pas juste son père? Écoute, bébé. Cet homme, il est le plus dangereux marabout du village.
Il est connu pour avoir tué plusieurs personnes, pour avoir croisé leur chemin. Il est vraiment très dangereux, je voulais pas que tu le confondes directement, juste comme tu l'as fait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plutôt? Pourquoi? Mais Kevin, pourquoi accepterais-tu qu'une personne pareille tombe chez nous? Je savais pas, tu m'as sûrement appelé. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Un problème après l'autre, mais c'est quoi? Pourquoi tout ça? Écoute, je suis aussi confus comme toi. Calme-toi, d'accord? Calme-toi. Écoute, respire et relaxe. Va dans le lit, couche-toi. Quand on va se réveiller demain matin, on va trouver une solution à... Comment espères-tu qu'on dorme avec une personne pareille chez nous? Dis-moi, Kevin, comment? Je sais... Pourquoi as-tu permis à ta mère de venir avec la fille de Marabout? Pourquoi? Merde. Écoute, calme-toi. Je t'en prie, calme-toi. Détends-toi, tout ira bien. Quand je l'ai dit plutôt quelque chose, j'ai fait m'en savoir. Oui, papa, c'est compris. Écoute, je vais pas me répéter. Il est hors de question que ma fille avorte. Nai, je comprends très bien ce que tu dis. Et on en parle déjà depuis le matin. Mais tu dois comprendre que... Kevin, il n'y a pas de mais. Écoute, pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant... Tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, devait être fier d'apprendre une si bonne nouvelle. Écoute-moi très bien, Kevin. Tout le monde n'a pas la chance d'être appelé mari et père à la fois. Mais... les dieux ont béni ta deuxième femme avant la première. Elle porte ton fils et tu veux le tuer. Nai, comme je l'ai dit plus tôt, en ce qui concerne les enfants, le temps de Dieu est le meilleur. Vous et votre Dieu là. Eh bien, néanmoins, mais la tradition permet... un homme d'avoir plusieurs femmes. Et les dieux ont béni ta deuxième femme avant la première. Écoute, Nai, je suis vraiment pas content de toujours revenir encore et encore dessus. On en a parlé à l'intérieur. Je ne prendrai pas de deuxième épouse. J'ai épousé ma femme, Adama, et... je suis heureux avec elle. Je serai avec elle, et ça jusqu'à la mort. Ce qui s'est passé entre ta fille et moi était une erreur. Tu l'as déjà dit à l'intérieur, mais je n'ai pas retorqué. Et tu le redis encore devant moi. Ne le dis plus jamais si tu ne peux pas affronter la colère d'Amadouara. Ton grand-père était un très bon ami à mon père. Voilà pourquoi je n'ai pas fait d'histoire quand ta mère est venue prendre ma fille. Ne me pousse surtout pas à faire quelque chose que tous les deux allons regretter. Écoute, j'attendrai jusqu'à ce qu'elle accouche. Puis tu viendras payer sa dot. Et si jamais j'apprends qu'il est arrivé malheur au bébé ou à elle, ou même encore qu'elle souffre, tu sauras pourquoi on m'appelle Chief Onongayeme. C'est ça, je m'en vais. Chérie, attends. Adama. Alors que je te parle, elle est la dame de la maison. Elle ne fait plus rien du tout. C'est comme si je recommençais tout au point zéro. Mais cette fois-ci, c'est même pire. Kevin a tellement peur que son père ne fasse une bêtise. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que Kevin est de ton côté à coup sûr. Il n'est pas question de prendre parti, Juliette. Ne vois-tu pas ce qui se passe ici? Je suis sûre qu'ils vont tous me mettre à la porte dès qu'elle va accoucher du bébé. Voilà, ça fait 2 ans et je n'ai toujours rien.
Ne t'inquiète pas, Dieu te le donnera au bon moment. Bébé. Sois tranquille, c'est juste ton cher mari. Et quand est-ce que mon mignon mari est-il rentré? Assez tôt pour constater la splendeur de ma chère épouse. T'es super appétissante. Ok, chérie. Oui, chérie. Pourrais-je savoir à quoi tu penses? J'ai la ferme condition que tu sais déjà à quoi je pense. Merci, bébé. Pourquoi? Pour tout. Bébé. Oui? Je suis celle qui devrait te remercier. Pour m'aimer comme tu le fais. Tu sais, souvent je me demande si je mérite vraiment tout l'amour que je reçois de toi. Ne lui dis plus jamais. Ne le fais plus. Ne pense plus jamais comme ça. Tu mérites tout ça et bien plus encore. J'espère et je prie que je sois présent quand tu auras besoin de moi. Tu es bien plus que suffisant. Tu l'es. Je t'aime. Je t'aime aussi. D'accord, et maintenant, tu dois me donner cette chose dont j'ai besoin. Un baiser. Un simple baiser? Ce n'est que le début de ce que tu auras ce soir. Oh, je vois. Alors pourquoi attendre? Ma chère sœur, voilà, serre-toi. Merci beaucoup. Je suis très fière de toi. Qui aurait pu imaginer que tu habiterais dans un palace pareil ou que tu serais la femme de Kevin Okezi? Ma sœur, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous lui rendons justement grâce pour ça. Vas-y, serre-toi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est à mon mari de faire la cuisine, alors s'il apprend chez les faits, il va mal le prendre. Es-tu sérieuse? Il fait la cuisine pour toi? Tu es vraiment bénie. Tu as un mari qui t'aime énormément, qui prend soin de chacun de tes besoins, et il a le temps de cuisiner pour toi. Ah, qu'est-ce qu'une femme peut demander de plus? Ma sœur, tu l'as dit, oh. Je suis vraiment bénie, en fait. Seigneur, je t'en prie, j'en veux un. Juliette, comment le ferais-je? Sérieux. Tu es terrible. En passant, tu as des nouvelles de notre sœur partie? S'il te plaît, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Ne mentionne jamais ce prénom en présence de mon mari. En fait, ce nom a été banni de cette maison. Je suis désolée, je ne sais même pas pourquoi j'en ai parlé. Laisse-moi jouir de mon jus, s'il te plaît. Je n'y pense plus. Maintenant, je veux juste être heureuse et prendre soin des enfants que Dieu va me donner avec mon mari. C'est tout. Je garde la foi. Concernant les enfants, tu en veux combien? Pas très sûr, mais peut-être 2 ou 3. Seulement? Pourquoi pas 6 ou 7? Tu vas m'aider à prendre soin de lui. Je serai là, ne t'inquiète pas. C'est rien. Non, tu vas d'abord m'aider à l'effort. Ne t'inquiète pas, on est ensemble. Je t'en prie, 2 ou 3. Pas plus, pas moins. Peut-être 2 garçons, une fille, ou bien, je sais pas, les 2.
Allô? Salut, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Et toi? Pourquoi respires-tu comme si tu avais couru 100 km? Ma sœur, ça dépasse 8 km. Prendre soin de cette grande maison n'est pas drôle du tout, Je suggère que tu prennes une ménagère. Cette maison est trop grande pour que tu la nettoies toute seule. De toutes les façons, je t'appelais pour te rappeler notre sortie de demain. J'espère que tu n'as pas oublié. Bien sûr que non. Pas encore. Je dois retourner à mes tâches. Je te rappelle plus tard. Bye. Tu es en retard. Laisse tomber. Est-ce que je t'ai manqué? Non. T'en es sûr? Très très sûr. D'accord, si tu le dis. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait le ménage toute la journée. Je suis épuisée. Waouh. Désolée que tu l'aies fait toute seule. Ne t'inquiète pas. La prochaine fois, je laisserai une partie pour toi. Y a pas de problème, bébé. Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu étais très belle ce soir? Mon mari me le dit chaque soir. Ton mari te le dit chaque soir? Il doit être un de ces gars si chanceux. Non, c'est moi qui suis chanceuse. Vraiment? Ouais. Tu sais quoi? Prépare-toi. On va sortir. Oh, j'adore ce que tu dis là. Où est-ce que tu m'emmènes? Il y a ce charmant resto qui sert de la chair humaine. C'est le meilleur resto de la ville. C'est là qu'on va. C'est juste une surprise. D'accord. T'inquiète. Je vais me préparer. Salut, toi. Bonjour. Bonjour, mon amour. Tu t'es déjà habillée? Oui, aujourd'hui c'est la dernière réunion avec tous les investisseurs, donc je dois être sur mon 31. Oh, tu es toujours sur ton 31. Eh oui, merci, merci bébé. Alors, dis-moi... Comment tu me trouves? Parfait comme toujours. Merci, bien sûr que je suis parfait comme toujours. Bon bébé, je dois partir maintenant. Ok. Bien, je dois partir. Bébé. Oui? Ai-je oublié quelque chose? N'oublie pas d'appeler ta mère aujourd'hui. Et bien sûr que je vais l'appeler. Oui, bien sûr. Par rapport à la ménagère. Oh oui, la ménagère. J'ai oublié, je t'ai dérangé simplement. T'inquiète, je vais l'appeler, c'est sûr. Je n'oublierai pas. Promis? Oui, promis, je le ferai sur le chemin du boulot, d'accord? Bye. Bye bye, je t'aime. Tu le feras. Voilà ce que je me dis tout le temps. Mais aujourd'hui, je regrette d'avoir prononcé ces mots. Oui, je suis indirectement la cause de tout ça. Mais pendant combien de temps vais-je encore payer pour mes erreurs? Je jette pour ça tout le temps, tout le temps. Mais que veut-il réellement de moi? Se valide, ok? Calme-toi, ok? Tout ira bien. J'en suis sûre.
Ok. Faut-il qu'il me chasse de ma propre maison? Faut-il que mon mari n'ait plus envie de moi? Juliette, aide-moi à demander à Dieu ce qu'il veut réellement. Qu'est-ce qu'il veut? Juste, ça va aller. Arrête de pleurer, ok? Tout ira bien, ok? Ok, fais-moi confiance, ça va s'arranger. Laisse-moi t'apporter quelque chose à boire, d'accord? Je peux accepter plusieurs choses venant de toi dans cette maison, mais je n'accepterai jamais d'être ton esclave, pas chez moi. Quand les vraies femmes parlent, une comme toi devrait se taire. Tu sais quoi? Je ne vais pas gaspiller mon énergie à te parler. Je vais la garder pour mon fils. Et tu penses que tu vas me parler de la sorte parce que tu as honteusement ouvert tes jambes à un homme marié? Tu te trompes, ma chère. Crois-moi ou pas, je vais sérieusement te mettre une claque la prochaine fois que tu me parles de la sorte. Que se passe-t-il ici? Elle m'a giflé. Quoi? Elle m'a giflé juste parce que je lui ai demandé de m'aider à laver le plat. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire telle chose, Ada? Kevin. Mon dos. Es-tu sérieux? Qu'est-ce que tu entends par être sérieux? Je sais que tu peux pas la supporter, mais il faut que tu contrôles au moins tes émotions. Elle est enceinte, pour l'amour de Dieu, non, mais dans cette condition, vraiment? Viens. Allons-y. J'ai mal, oh mon Dieu. Qu'est-ce que cela est censé dire? N'as-tu pas vu que je visionnais quelque chose? Ne t'ont-ils pas appris les bonnes manières dans ton village? J'ai aussi vécu dans mon village quelquefois dans mon passé, mais je ne t'ai pas aussi mal élevée que toi. C'est quoi ton problème? Mon père m'a bien dit que les femmes stériles comme toi ne cherchent que les gens à accuser pour leurs nombreux problèmes. Je ne vais pas me disputer avec toi. Je vais simplement me concentrer sur mon film. Hein?
Regardez-la. Au lieu d'aller chercher les solutions à ses problèmes, elle vient ici se comparer à une femme enceinte. Ne crois pas que je te soutiendrai toujours ou j'irai lutter avec elle chaque fois que tu te plaindras. Tu dois apprendre à laisser certaines choses passer. Tu ne la réprimandes plus. Tu conçois tout ce qu'elle fait de mal et tu réagis comme si c'était bien. Comment penses-tu que je me sens? Ne me touche surtout pas! Sinon je mettrai en pièce toute cette maison, tu vois. Donc tu voudrais pas qu'elle sache que je suis là, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'il me voie. Écoute, je ne bougerai pas d'ici pour ta gouverne. Bayou, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ferais mieux de partir d'ici avant que je n'appelle la police. Attends maintenant. Appelle la police si tu veux. Ai-je l'air d'avoir peur? Tu le crois? Si tu veux, appelle les militaires. Si tu veux, appelle la Navy. Je m'en fiche. Sauf si tu viens avec moi. Que Dieu m'en préserve. Qui? Moi, venir avec toi dans ce ghetto? Hein? Bayo, tu ferais mieux de partir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu, jeune homme? Il s'est perdu et... En fait, il cherche quelqu'un dans le quartier et il est entré par erreur chez nous. Donc, jeune homme, allez-vous-en maintenant. Il me semble que t'es malade. T'es folle. Monsieur, je ne suis pas perdu. En fait, je sais exactement où je suis et ce que je suis venu faire. Chioma ici présente est ma petite amie. Et je suis l'auteur de sa grossesse. Je crois que t'es malade, hein? Peut-être quelque chose ne va pas chez toi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Comment peux-tu dire que c'est ton enfant? Je vois que t'es malade. On se connaît? Attends, sommes-nous déjà rencontrés avant? Hein? On s'est déjà rencontrés? Je crois qu'il faut appeler la police. Je ne sais pas ce que ce fou fait ici. Comment peut-il affirmer qu'il est le père de mon enfant? Ton fils! Je comprends maintenant ce qui se passe. Chioma. Donc ils t'ont payé, n'est-ce pas? Ils t'ont payé pour que tu le vendes. Mon enfant. Mon seul enfant, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi tout ça? Chioma, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien! En plus, je ne connais même pas cet homme. Je suis sûre qu'on l'a payé pour faire ce cinéma. Je suis sûre que c'est elle qui l'a payé pour faire ça. Tu es malade? Peut-être que tu ne me connais pas. Jamais tu ne m'as vu, n'est-ce pas? Hein? Je te connais. Jamais on ne s'est vu et tu ne me connais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi tous ces cirques? Je ne le connais pas. Je ne connais pas. Ça sonne. Montre-leur le nom qui enregistrera mon numéro. Mais montre-leur. Regardez, Bayo, mon amour. Je suis Bayo. Et c'est mon amour. Chioma. Donc, Kevin n'est pas le père de ton bébé, c'est ça? Je vais te tuer. Bébé, calme-toi, ça va, laisse-la. Kevin, laisse-moi. Non, laisse-la. Kevin, va. Mais t'es malade, je t'en prie, calme-toi. Je t'en prie, calme-toi. Non, calme-toi. Calme-toi. Chioma, écoute-moi très bien. On en reparlera de ça, crois-moi. Chérie, ça va, c'est bon. C'est bon, laisse-la. Va-t'en d'ici tout de suite. Je ne bougerai pas d'ici à part si tu me suis. Va-t'en d'ici, j'ai dit. Chioma. Chioma. Nai, sois la bienvenue. Merci. Je sais que t'es un homme très occupé. Et que tu as beaucoup de choses à faire tous ces temps. Et donc je suis ravi que tu aies pu venir aussi vite. On t'a appelé ici par rapport à une situation qu'on rencontre. Et on s'est dit que la meilleure façon... Chérie, calme-toi. Laisse-moi le faire, ok? Papa. On t'a appelé parce que ce jeune homme
celui-là, assis juste là, d'y être l'auteur de la grossesse de ta fille. Et pas mon cher mari. Hein? Il s'appelle Bayo et il a des preuves de tout ce qu'il raconte. C'est le petit ami de ta fille et je peux vous assurer que les deux couchent ensemble depuis très longtemps. Papa, mon mari et moi ne vous devons plus rien du tout. Kyoma, qu'est-ce que tu as à dire de tout ça? Je suis désolée, papa. Tu es désolée? T'as-je bien entendu dire que tu es désolée? Kyoma, tu as dit que tu étais quoi? Stop! Mais quoi? Tu veux tuer notre bébé? Jeune homme, qui es-tu? Ok, si tu veux savoir, je m'appelle Bayo Baba Tunde. Et le futur mari de votre fille ici présente. Aussi l'auteur de cette grossesse. Que Amadoua te punisse si tu fais encore ces âneries. Qui? Moi? Que Ogun, le dieu de mes ancêtres, et ailleurs, te punit si tu ne me donnes pas ma femme et mon enfant. Écoute. On dirait que tu ne me connais pas, n'est-ce pas? Écoute, je ne suis pas comme ces gardes ou pas. Ah, ne blague plus jamais avec moi. Kyoma, t'as pas parlé de moi à ton père? Tu ferais mieux de lui dire. Moi, je... Ma fille n'épousera pas un voyou Yoruba tant que je suis en vie. Ok, d'accord. Prépare-toi à mourir. Maintenant, je comprends mieux ce qui se passe ici. Donc, tu voudrais vendre mon enfant, mon bébé, à ces personnes riches, n'est-ce pas? Jamais mes ancêtres ne le permettront. Et surtout pas tant que je suis en vie. Ne t'amuse surtout pas. On ne blague pas avec moi. Kyoma, tu devrais dire à ton père qui je suis. Dis-lui. Adebayo, ou peu importe comment tu t'appelles. Écoute, le poussin qui n'écoute pas sa mère finit dans l'estomac de l'épervier. Je m'en fiche. Oh, tu t'en fiches? Je m'en fiche. Je te le redis, t'amuses pas avec moi. Ne blague surtout pas avec Adebayo, moi. Adebayo, écoute-moi. Nous délai Karaka pour que le lien ne m'a posé à fort. Karaka ne m'a posé une mini ennemie. Je te préviens. Et puis quoi, ça devrait me faire peur. Arrêtez avec tout ça. Bien, peu importe ce qui doit se passer, cela finira par se passer, d'accord? Je pense qu'il est temps pour vous de sortir de chez moi. Ouais, on s'en va. Kyoma. Kyoma, allons-y. Kyoma. Allez, viens, on s'en va. Kyoma. Je te le dis, j'arrivais pas à croire ce que mes yeux voyaient et ce que mes oreilles entendaient. C'est vrai. C'est pourtant vrai, je te jure. Je te jure. D'accord, Sora, tu te rappelles plus tard. Bye. Qu'est-ce qui te rend heureuse, Juliette? T'as déjà appris la nouvelle? Bébé, ce n'est pas juste une nouvelle, mais c'est une grande nouvelle. Meilleure nouvelle jamais existée. Ah bon? Alors comment va-t-elle? Elle va bien. Ça fait plaisir à entendre. Quoi? Bébé, un souci? Bébé? Adama? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, doucement. Doucement, ok? Doucement. 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 Bébé. Doucement. Qu'y a-t-il? Hein?
Dois-je appeler un docteur? Non, bébé. T'as pas besoin. Je sais ce qui m'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quelque chose qui t'arrive? Que se passe-t-il? Je me suis écroulée, mais je n'étais pas sûre. Qu'as-tu ressenti? Dis-moi, tu me fais peur, là. Que se passe-t-il? Dis-moi. Cette fois-ci, tu vas devenir un futur père. Je suis enceinte. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. T'es enceinte? Mon Dieu. T'es enceinte? Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Désolée. Pas grave. Oh mon Dieu. T'es enceinte? T'es enceinte? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh mon Dieu. Je vais devenir papa. Everything you do, you better be careful. You better be careful. The things you do today can stand against you tomorrow. Life is a long way to go. Yeah, yeah. It's a long way to go. Yeah, yeah. It's a long way to go. Yeah, yeah. You better be careful. Hey. Before the more you look, go be the less you see. And you go there confused, so then you no go know what else to do. You go calm the crowd.